Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la box avec Mel. Habituellement on se la faisait tous les mois ou on essayait du moins quand on se voyait. Là ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. On a décidé de s'échanger nos box quand on s'est vu à l'anniversaire d'Orlando, anniversaire de Sachou. Donc de mon fils, elle est venue, elle avait des produits d'avance pour une box, moi pareil du coup. Tu vas prendre ton bain, mon amour? On voit mieux là comme ça. Du coup, je vous présente la box comme d'habitude. Alors, c'est pas emballé, donc je vais piocher sans regarder. Petite intervention de Sachou. Bref, du coup, on pioche. Je vous présente ça et vous aurez la box que moi je vais vous faire sur sa chaîne. Alors, en premier, ah cool! Un DVD Disney, ça fait longtemps qu'elle m'en a pas mis dans les box. Et j'avoue que la plupart de mes DVD Disney, soit je l'ai acheté, soit mes amis dans les box. On fait la collection des DVD Disney, alors je vous avoue qu'on ne les regarde jamais en DVD puisqu'on a eu un lecteur DVD il n'y a pas longtemps qu'on a récupéré à mon beau-frère. Mais sinon on regarde sur Disney Plus ou voilà, j'avoue. Mais je trouve ça sympa quand même d'avoir la collection et je me dis si un jour ils ont envie de voir un Disney qui n'est pas sur Disney Plus, ça peut être cool. C'est le numéro 39, voilà, c'est le retour de Jafar, donc ça c'est trop cool, ils ne l'ont jamais vu, donc top, merci beaucoup. Ensuite, alors on a un gros bidon, ah c'est lourd, un gel douche je pense, mais c'est non, c'est très gros et très lourd, là je sais pas. Ah, un sirop carambar goût cola, alors c'est marrant parce que j'en ai pris un mais un autre goût qu'on n'a pas testé, bah à tester franchement, ça c'est plus mon chéri qui serait friand de ces choses là, ça doit être très chimique quand même, hein. Goût carambar, goût cola. À voir, sans conservateur, sans colorant artificiel, sans arôme artificiel. Ah bon? Alors faut m'expliquer comment ils ont fait. Donc bah à tester. On verra. En tout cas, bah, c'est cool parce que je connais pas. Ensuite, on a un flacon pompe, peut-être un gel douche. Un lait pour le corps. Olive pure by Sienne. Donc c'est de chez Lidl. Vegan. C'est ouf parce qu'il a pas l'air plein du tout quoi. Ils se font pas chier eux. C'est la gamme Olive Pure, ok, je ne connais pas du tout, j'achète jamais de soins chez Lidl, donc c'est cool, c'est une découverte. À l'olive bio, alors j'espère que ça sent pas trop l'olive parce que je déteste les olives. Ah, ça sent super bon. Ah ouais, ça sent un peu naturel quand même, hein. C'est pas du tout gourmand, mais ça sent bon. Donc à tester, c'est vegan pour info, est-ce que vous connaissez cette gamme-là chez Lidl? Je ne connais absolument pas. Donc voilà, sans microplastique, c'est marqué, soins intensifs, hydratation 24 heures, convient à tout type de peau. Ok, flacon pompe très pratique, on va tester ça et je vous en parlerai dans mes produits terminés. Là j'ai un carton fermé, alors ça me fait penser à une savonnette. Ok, c'est une poudre minérale, la marque Constance Carole, je ne connais absolument pas. Ça vient sûrement de chez Nose peut-être, non? Je sais pas. En light beige la teinte, c'est bien, ça me correspond. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors je suis pas fan des poudres minérales, c'est trop volatile je trouve. Donc à tester, 100% naturel. Tu rebloques le tuyau, l'eau qui sort du tuyau, celui-là. Attention à toi. Donc c'est une poudre libre comme ça, bah écoutez, on va tester et bah pareil, je vous en parlerai. J'avoue pour l'été c'est peut-être bien hein, de mettre un peu de poudre minérale, c'est moins lourd quoi. Ensuite là c'est un gel douche je pense. Le packaging me fait penser au gel douche de chez Labelle ou de chez Manava. Ah Labelle, eh, je suis forte quand même. Tarte au citron meringuée, je le connais et je l'aime beaucoup. Il y en a deux que j'aime beaucoup chez Intermarché, c'est celui-ci et le rose à la barbe à papa. J'ai pas du tout d'Intermarché dans le coin de chez moi, donc je n'y vais absolument jamais. Mais à l'époque, c'est ceux que j'aimais bien. Et celui-là, dans mes souvenirs, il sentait super bon. Ouais, ça sent de ouf la tarte au citron meringuée. Faut aimer, moi j'adore. J'adore le citron, j'adore les odeurs de citron. J'adore la tarte au citron meringuée. Et à défaut de pouvoir en manger, et ben, je la sentirai. Donc c'est cool. Et ensuite, pour terminer, dernier produit qui est très lourd. Qu'est-ce que c'est qui est emballé? Pourquoi c'est emballé là-dedans? C'est bizarre. Lessive liquide.
Lavande et huile d'argan. Mais ça, c'est trop cool, je suis trop contente. J'adore l'odeur de la lavande. C'est de la marque... Voilà, c'est Love Home and Planet, mais sinon, enfin, vous voyez, cette gamme-là, Love Beauty and Planet, c'est cruelty free, vegan, etc. Trop cool. Parfum incroyable, propreté impeccable et des petits gestes d'amour pour la planète. Trop mignon. Ça fait 15 lavages. Trop bien. Je vais sentir ça. Moi, j'adore la lessive. Je suis une inconditionnelle de lessive. Voilà, ça sent trop bon. Ça sent propre et la lavande. J'adore, franchement, trop contente, merci beaucoup, mais c'est une jolie découverte, je ne connais absolument pas, je n'ai jamais testé ces lessives-là. Donc très très belle découverte, vraiment, je suis ravie. Trop cool. Et bien merci beaucoup pour cette petite box, c'est cool, c'est un petit peu de trucs qui changent. Ça fait plaisir, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de box. Et du coup, bah, ça fait trop plaisir d'avoir des cadeaux, clairement. Ça fait plaisir, en tout cas j'espère que cette box vous aura plu à vous aussi, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dites-moi dans les commentaires l'article que vous avez préféré. Moi, j'avoue que le DVD, gros kiff parce que ça me fait plaisir à moi et aux enfants, la lessive aussi, bon, le gel douche aussi à la tarte citron meringuée, on dirait que c'est le top 3 parce qu'en fait les 3 autres je les connais pas, c'est tout simplement. Ça je ne connais pas non plus mais je suis contente parce que ça change vraiment dans une box et je trouve ça trop cool. Et j'en parle jamais sur ma chaîne mais moi, je suis très maniaque, bon ça a rien à voir avec les lessives hein. Mais je suis quelqu'un de très maniaque et du coup j'aime bien ranger, j'aime bien trier, j'adore faire le ménage. Mais j'en parle jamais sur ma chaîne et du coup j'adore tester des nouveaux produits ménagers. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle dans les vlogs, quand je vous montre des nouveaux produits que je teste parce que j'en teste énormément et je vous les présente pas dans les produits terminés donc... N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et merci Mel en tout cas pour cette box, c'est trop cool. J'espère que la mienne t'aura plu également et nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous passez par là et que vous avez apprécié la vidéo. À mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.